Salut les copains et les copines, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de The Last of Us, partie 1, remastered sur PS5, let's play, partie 22. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Donc, pour aujourd'hui, on est toujours dans le bâtiment des sciences. Tout va bien avec Joël. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Tiens, tiens, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que ça a? Ah. Ok, on l'avait pas ouvert. Ouais, mais là je suis en train de rouvrir. Ah oui, ça c'est une porte à surin. Non? Mais là-dedans, n'importe quoi le jeu. En fait, en gros, vu que ça fait un moment que je suis pas allé sur le jeu, bah du coup, il a tout fait comme si que j'avais un ouvert. Ellie, t'es où? Ellie, ma grande, t'es où? T'es là, d'accord. Ok, bon, on avance, hein, parce que ça sert à rien de revenir en arrière. Hein. Si vous êtes en galère de santé et que vous avez plus de quoi confectionner les trousses de soins là, regardez toujours dans les distributeurs. Hein. Il y a toujours, enfin, il y a souvent, pas toujours, mais souvent. Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Ouais. On trouve où ils sont allés. Alors. D'accord, c'est de là d'où on vient. Ah, le con. Ouais. Là, on va trouver des trucs comme ça. Et je vous invite à les écouter. C'est habitué à vivre ici.
Je vais faire d'autres tests. Sinon, cette incompétence va me rendre complètement fou. Voilà pour le premier. Je peux pas l'ouvrir, c'est une blague. Des stimulants. Après moi j'ai toutes les compétences à fond, hein, donc les stimulants, pièces de métal, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que tu fais, les... Ok, par là j'ai tout pris. Hop, on va tout ouvrir. Hein. On va tout ouvrir parce que là, vous voyez, c'est calme. Merde. Sûrement des claqueurs, tu crois? Non, les claqueurs ne se cachent pas. Non, rien à voir avec les claqueurs. Ça a rien de méchant là, le bruit qu'on a entendu là. Ah. Radio de développement fongique dans le cerveau d'un patient. C'est une fois que le corps s'est introduit dans l'hôte et la manière dont il se développe dans l'hôte. Cordyceps. C'est des singes, tout simplement. Bon, moi, c'est pas des claqueurs. Ouais, ni des lucioles. Ouais, malheureusement. À force de chercher, ils sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Ellie, elle en a marre là. Elle est à bout, la petite. Elle en peut plus. Tiens, pendentif des lucioles.
Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte. Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? Ah bah un c'est peu, ouais. Près. Enfin, à cheval. Quoi? Les Lucioles? Baisse-toi! Oh non, c'est pas vraiment les Lucioles. Putain, mais c'est qui ces types? Peu importe. C'est des méchants. Viens, on fiche le camp d'ici. Alors, petite info, pendant la cinématique, au niveau du dictaphone là que Joël a trouvé, que Joël et Ellie ont trouvé, il a avancé les passages, mais nous, on a la possibilité, une fois qu'on sera un peu plus tranquille, de lire l'intégralité du dictaphone. Alors, on va essayer de se planquer et de voir si on peut le lire là. Magnétophone, voilà. Si vous cherchez les Lucioles, ils sont tous partis. Je suis mort, ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. J'ai dédié ma vie à cette cause, mais... maintenant, je ne saurai jamais si on a réussi ou pas. J'ai rejoint les Lucioles peu après le début de la pandémie. J'avais enfin fini par trouver un groupe prêt à tout pour nous sauver de ce fléau. Alors que le gouvernement voulait fuir dans des ghettos. Je ne pouvais pas abandonner ce pays. Abandonner l'humanité. Qu'est-ce que c'est cliché. Enfin. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. On pensait pouvoir venir à bout de ce fléau. C'était généralement suivi par des années de profond désespoir. À croire que toute cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de temps. Dernièrement, c'était plutôt la deuxième option. On n'a fait aucun progrès depuis le test du vaccin passif effectué il y a, quoi, 5 ans maintenant. Aujourd'hui, tout ce laboratoire a été contaminé et nos très chers dirigeants ont décidé d'abandonner l'université. Je n'y arrive plus. Je n'ai plus envie de continuer. Si vous êtes venus jusqu'ici pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Voilà pour la lecture du magnétophone. Maintenant, on va aller casser du méchant.
Ouais, je sais, ouais. T'es où? Coucou. Monte ta tête. Allez quoi? Allez! Ah, je voulais lui foncer dessus, moi. Et oui, on peut mourir. Oh, bien joué, Ellie! Oh, elle m'a sauvé les miches là! J'étais en train de recharger, elle m'a sauvé le cul! Franchement, bravo, Ellie! Ah vas-y, ils ont refermé tous les trucs vu que je suis mort. Allez, on va avancer, tant pis. Alors. Ah franchement, elle m'a sauvé le fiac. Hein. Et ouais. Ah, tu m'étonnes. Ah, t'es caché là. Bougrement efficace même. Ils sont où? C'est... Moi je te fais péter la tête mon pote, t'es pas content, c'est la même. Je sais, il était mort, mais c'est pas grave. Bon. Là, on arrive à un moment, les amis, que j'aime pas beaucoup. Comme tu dis, ouais.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Allez. Il va falloir que tu me tires. Alors, âme sensible, dégagez de l'écran, hein. Oh putain. Ah. Monte sur ce putain de cheval. Je vois personne. Allons-y. Bon, là, vous avez qu'une option au niveau de l'arme, hein, c'est le petit flingue. Joël, tu vas bien ? Ouais, je me suis empalé sur un tuyau, mais... Tu gères la fenêtre ? Ouais, je vais gérer, t'inquiète. Ok. Ah ouais. Merde. Allez, bouge ! Merde. Je vous vois. Ouais, moi aussi, je te vois. Coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu, enfoiré. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin? Ah ouais, il est vraiment dans le... Bah, il a pris cher, là. Il a pris cher. Hein. Il faut qu'on te fasse sortir. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire, hein, moi je vous le dis. Allez, viens! Allez, viens. Dépêche-toi! Là, vous pouvez même pas utiliser le. Il y a personne! La vision. Dépêche. Et tout ça, là, l'écoute, là. Ce qu'ils appellent l'écoute. Tu t'en sors bien. Continue! Ouais, on s'en sort bien. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Oui. Alors marche, merde. Ellie, elle est complètement dépassée, là. Joël, il refuse son aide alors que, allez. Bah, il en a besoin. Hein. Voilà la sortie. Ouais. Encore un peu, allez. Bon, il y a un moment donné, on tombe, hein. Derrière toi. Quoi? Ouais. La gamine est armée. Faites... Oh merde. Petite ordure. Vous avez vu le coup de tuyau qui s'est mangé dans la tronche? Ça s'est relevé quand même, hein. Allez, elle est forte, hein. Mets ton bras sur moi. Allez, on y va. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Tu rêves. Reste là. Allez. Je vais ouvrir. Prends-toi. Allez. Oh là là, sacré Joël. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Ouais. Lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël !
Et ouais, c'est mal barré pour Jojo. Un petit lapin? Un lopin? Ah, plus de lopin. On lève la main, puis on fait au revoir le lopin. Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. Alors là, par contre, je sais pas si on a les flèches explosives. Vous imaginez pour le cerf là? T'es pas On seul. a le... on a les flèches explosives. Te voilà. Là, faut le laisser se barrer parce que sinon, pour le scénario, ça va pas le faire. Complètement loupé. Attendez, je vais faire un truc, les amis, parce que là. Hop. Va mettre les flèches normales. Je sais plus s'il monte. Bouge pas. Je t'ai eu. Voilà. Merde, il est rapide. Malgré qu'il saigne, hein, ça me fait penser un peu au jeu de chasse.
Tiens, c'est la même zone. Ouais, là pour le moment vous avez que l'arc, on n'a rien d'autre. Super. Tout va bien. Non. Non, non, bah non. Une BD. Génial. Et ouais. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, Jens. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre tour. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Ouais, puis là, elle manque pas de sang-froid, la petite. Hein. Parce que les deux auraient pu très bien lui faire du mal. Hein. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. Je suis pas toute seule. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Lui aussi, il a les balles infinies. Je me suis un peu entraîné. On doit absolument les empêcher d'entrer.
Eh ben nous, on va se quitter comme ça pour aujourd'hui, les copains et les copines. Je suis désolé, mais du coup, l'affrontement en compagnie de David l'étranger, ça sera pour la prochaine vidéo, ça sera pour le Let's Play 23. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut, salut les copains et les copines!